Raconter l'histoire de Frida Kahlo dans une soirée aux allures de pure fiesta mexicaine, c'est ce que vous promet l'actrice Sophie Fauché. Avec le spectacle Frida Kahlo Correspondance, elle s'entoure de mariachi et vous fera voyager dans une prestation au croisement du théâtre et de la musique du monde. Frida Kahlo, c'est cette artiste peintre mexicaine dont les œuvres ont marqué le courant surréaliste du début du 20e siècle. Une femme qui avait du caractère et qui a su laisser sa trace dans un monde d'hommes. Je suis née le 7 juillet 1910. En fait, Frida est née le 6 juillet 1907. Et si elle a changé sa date d'anniversaire, c'est pour pouvoir dire qu'elle était née avec la Révolution. J'ai le plaisir de t'inviter à ma modeste exposition. Une femme qui n'a jamais eu peur de rêver grand, même si sa vie a été marquée par la maladie et le handicap. C'est une œuvre autodidacte, flamboyante, où se mêlent imaginaire, onirisme et symbolisme. Sophie Fauché est passionnée de Frida Kahlo depuis 30 ans. Elle a écrit des ouvrages jeunesse sur cette peintre. Elle est aussi l'auteure d'une pièce de théâtre, Apasionada ou La Casa Azul, que Robert Lepage a mis en scène au début des années 2000. En 2012, Sophie Fauché replonge dans les écrits et l'univers musical de Frida Kahlo pour créer le spectacle Correspondance. On y découvre des extraits du journal intime de l'artiste, des lettres qu'elle échangeait avec son mari, le peintre Diego Rivera, et avec son médecin, des messages, des confessions, des poèmes. Le sourire de Sophie Fauché est contagieux, sa joyeuse folie nous invite à la fête, la musique des mariachis nous enveloppe. On découvre une Frida Kahlo sous un nouveau jour. Une soirée ensoleillée et chaleureuse, voilà ce que vous promet le spectacle Frida Kahlo Correspondance.